Bonjour à tous, je suis Philippe Vandervaal, je suis le responsable du groupe GHM, méthode TMA, la méthode qui est développée pour les professionnels RH mondial. Les organisations ont actuellement une pression assez forte. Alors la première compétence, je pense, qui est importante dans ces situations, c'est la gestion de stress. Comment on gère cette situation? Son niveau opérationnel, mais c'est aussi son niveau logistique, mais aussi son niveau humain. Il y a un besoin de prise de décision, et en tant que dirigeant, cette prise de décision doit être faite sur 50% d'informations. Des décisions qui ne sont pas faciles, ça c'est sûr, mais on est obligé de prendre cette responsabilité. Le monde change tellement vite qu'il y a sûrement beaucoup d'activités, de procédures, de processus, si vous voulez, qui vont changer. On s'aperçoit que ce niveau d'adaptation, cette nouvelle réalité, ce niveau qu'on appelle aussi agilité, est très important. En tant que dirigeant, responsable, comment on va se repositionner en tant qu'être clair et avoir une certaine vision, de sorte que les collaborateurs se sentent réunis et créent justement un collectif. On est obligé de travailler de manière qui n'est plus la même. Il y a un besoin de renforcer ces relations. Ça implique aussi un niveau de sociabilité, d'empathie. Cette motivation peut être touchée dans cette crise. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi échanger ensemble. Ces compétences, c'est intéressant de les valider, d'échanger avec un coach professionnel sur ces thématiques. Quelles sont vos faiblesses? Comment on peut les renforcer? Vous n'êtes pas seul, je pense que c'est au niveau international, mondial. Beaucoup de dirigeants se font accompagner. Ne perdez pas le cap, restez confiant. Je suis sûr que beaucoup de ces projets vont réussir.